Salut tout le monde, c'est Madara. Et aujourd'hui, Salut je tout le suis monde. encore en compagnie de, bah voilà, Carnage, merci. Là, Bon, là. voici Sœur Carnage 28 et Sœur Madarich 28. Puis on va vous faire une petite vidéo. Bah là, en fait, on est à la suite de celle qu'on aura déjà sûrement postée. Hein. Donc, ouais, si vous regardez, normalement, je mettrai deuxième partie. On vous refait du call-off. Quoi? Qu'est-ce que j'osais dire? Tu la sens la croix imaginaire là de brûler immédiatement. Je la sens très bien. Aïe, donc 12. Donc oui, on était parti sur notre Kiku Minecraft, donc je verrai si je peux pas vous faire une petite compilation des meilleurs trolls des Kiku. Ouais, parce que sur Nemo déjà c'était oh, big. Les Kiku Minecraft hein, je parle. Vous savez, ceux qui ont 10 ans. Qui joue sur le... et rendez-vous boussole, bien entendu. Hein. Vous êtes où? Je suis là où il y a de l'herbe, les gars, trouvez-moi. Rejoignez-moi à l'arbre. Il y en a pas 50. Pas du tout, on a spawné dans une forêt, rejoignez-moi là où il y a des feuilles. Rejoignez-moi dans la jungle. Ah oui. Et l'autre tout à l'heure qui voulait pas ouvrir le lien de la chaîne, enfin, la chaîne. Entre guillemets. Le screamer de Monsieur Thibault. Oui. Pourquoi je me fais OS par tout le monde? J'ai l'impression que depuis que je filme, je me fais OS par tout le monde. Bon, voilà. Oh là là, ils sont tous en coup! Ils sont tous en... Ouais, ils suivent. Ils suivent tous. Eh les gars, c'est bon, c'est pas de la conquête. Ah oui, mais c'est de la demi, par contre. De la demi, c'est de la mini-conquête, hein. C'est de la demi... C'est de la conquête en infanterie. On m'a réanimé. Petit coup, je les viole. D'accord. Ah oui, elle est puissante, ça faudra que j'essaye de l'utiliser. Là, j'ai bientôt fini mon A91 à augmenter, là, je pense. Moi, je l'ai terminé, j'ai le pointeur vert dessus. Ouais, donc, s'il vous plaît, dites-nous les avis. Savoir si on continue la vidéo. La vidéo. Chaîne YouTube. Attends, je vais en fumer. Enfin, ça nous plaît de faire des vidéos, c'était le calage qui m'aurait fumé. Bah, je sais pas si on va avoir beaucoup de temps. Hérisser le poil. Bah, étant donné que ça va être les vacances. Oui. J'ai flippé parce qu'il y a un monsieur qui s'est penché et qui a failli m'avoir. Je défends le point A, moi, en attendant. Je sais qu'ils doivent être vers le point C. Il y a un monsieur qui joue MLG. C'est très swag. Je ne peux pas savoir comment. C'est très swag. L'objectif Charlie est neutralisé. Quoi l'étage? Ils sont à l'étage du bâtiment C, je crois. Enfin j'en ai vu pas mal. S23 across the map. Ouais, parce qu'elle est trop dure à gérer, tu comprends. Quand t'auras l'occasion, tu pourras débloquer la RPK, elle est pas mal. Ouais bah j'essaye de faire des rubans réparation. Non c'est pas des rubans réparation, c'est des... Bah d'ailleurs tu l'as je crois. Le kilo mortier, tu l'as fait? Oh, justement, le kilo mortier, faut que je fasse. Tiens, je vais essayer. Bah, là-dessus, non, c'est du bâtiment donc. Ouais, mais à la rigueur, on peut spawn trap. J'aime bien spawn. Attention, on se fait tirer! On se fait tirer! Un monsieur là! Merci d'avoir respawn sur ton pote, grosse de belle! Bah, là, vous me voyez peut-être un peu camper, hein, parce que c'est ma cam que vous voyez. Parce que. Sœur Brandish n'a pas la carte requise. Ouais. Il faut au moins une 650 pour avoir le Shadowplay, je crois. Oui. Non, mais... Bah oui, oui, oui. Et puis de toute façon, avec la 560, ça serait limite. Oui. Je vais voir. Moi, ça passe tranquillement. Comme je joue pas en qualité ultra. Hein, on est ok. Oui. J'ai juste la qualité normale avec la résolution scale montée un peu. Justement que c'est jouable pour toi, tant mieux. Oh c'est amplement jouable hein, j'ai laissé les FPS normalement, donc les abos ils peuvent voir. Oh le bon C4, mettons le parti. J'ai une balayeuse. C'est parti. Qu'est-ce que je peux faire? Oh Sir Brandish, oui. C'est pas de fair play tout ça. On va éviter parce que... On va se faire rouspéter par les monsieur.
je sais pas combien de temps elle va durer là. Oh, ils m'ont déniché, bien joué. Enfin, je me suis fait dénicher de mon bâtiment, j'étais en train de défendre comme un salaud. En même temps, c'est un peu le rôle du mec qui est en train de jouer balayeuse. Donc on peut pas dire que j'ai pas joué mon rôle, mais bon. Tiens, j'ai des munitions pour toi. T'es en train de piloter le mortier. Je vois mon mortier. Je vois le truc qui bouge un peu, qui bouge en buguant en moitié. Ouais, le truc il était buggy, j'arrivais pas à le piloter bien, ça tournait n'importe comment. Hop, mortier posé. Donc on peut recruter des abos pour jouer sur Ouais, c'est sympa ça. Sur BF4 hein, si on a. Étant donné qu'il y a certains de l'équipe qui ouais. Jouent, parce qu'il y en a plein qui vont désinstaller ou alors qui jouent plus du tout. Souvent on joue à 3 mais. Ou qu'on préférait même ou qu'on complètement arrêté de jouer. Ouais. Moi j'ai baissé, j'ai arrêté de jouer un peu aussi. Que Call of quoi. BF4 je joue essentiellement à ça maintenant. Oh là là, je me fais pas de rire. Ça y est, je l'ai tué au mortier le type. Bon bah t'as débloqué la RPK. La RPK 74ème. Elle est pas mal ouais. Aïe. Bon bah voilà. Petite déblocation. Toi aussi il massacre la 16. D'habitude c'est avec Franck qu'on massacre la 16. Oui du coup Franck il pourra aussi vous filmer des vidéos. Mais Franck. Monsieur Izanagi 28 plutôt. On n'avait pas souvent vu dans les vidéos. À part une fois où il nous avait fait une pub de Justin Bonnou, je sais pas pourquoi. Parce qu'il aime le saucisson. Oui, c'est notre code secret pour savoir quand est-ce qu'on trahit le mec qu'on a recruté dans notre équipe sur Minecraft. Donc, genre, quand on est avec le mec, on est au de la tour et là, bon, Aurélien, Franck aime le saucisson ou pas? Encore. Le code secret allez, foireux. Ouais. Franck aime le saucisson. Oui. Oh, monsieur est tombé malencontreusement de la tour. Mais vous m'avez tué. Non, c'est pas vrai. On a pas fait exprès. Je te jure. Je vous le jure, monsieur, c'était pas, c'était mûrement réfléchi et purement salaud. C'était bon, je vais essayer une autre configuration. Je vais lui mettre un canon lourd et je vais mettre la poignée qui réduit le recul. Ça m'a l'air d'être bien stable. Oui, je tire dans le vide comme un connard, je suis intelligent. Hey, M142. Aïe! Ah, le canon lourd est pas mal dessus, d'après ce que j'en ai vu. Le Nvidia Shadowplay, il a l'air plutôt potable hein, pour filmer. Oh ouais, plutôt. Oh là, ah, ça m'a fait canarder. Je suis trop con, je suis monté sur le truc alors qu'on était encerclé. Je comptais me poser sur le toit du bâtiment avec la balayeuse pour arroser un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment une balayeuse, hein, c'est les light machine gun. Ouais. Je préfère d'ailleurs les lourdes, j'aime pas, t'es obligé d'être posé. Que tu sois posé un moment. Avec ton bipod. J'ai été promu, tiens. Direct live promotion. Est-ce qu'ils sont en train de nous prendre RTZ, un le passage de point. Toi aussi t'arrêter de me base rave avec ta I-52, ça bon, voyons voir, est-ce que j'ai des trucs intéressants dans mon pack en or. Laser lampe sur le FN. Tiens, les laser lampes qui ont des tronches différentes. Le forêt tigre qui pourrait être pas mal pour... J'entends un TMR. T'entends... J'imite bien le DMR. Hein. Quand je suis dans leur dos. Boum, déniché, allez hop. Saloperie. Je recapture le point B. C'est bon, j'ai recapturé. Aïe, 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 aïe. Récupération de vie. Petite récupération, t'as vu. RPZ de les blessures. Je fais beaucoup d'assises, dis donc, avec ma balayeuse, moi. Ouais. Tiens, attends, je vais te camo. Tu me connais. Bah, j'essaie de te balancer des fumigènes dessus, sauf que... Ah. Ouais, mais le XM25 fumigène, il est bien pratique.
416, bien entendu, je t'ai tiré à vous. Oui, vous voyez peut-être que je campe un peu, mais ça c'est normal. Parce qu'avec... Bon, voilà ce que ça donne, si je cours avec une balayeuse, j'ai pas l'avantage parce que c'est lourd. Et qu'on n'est pas dans Call of Duty. Tu ne détales pas avec une machine gun dans les mains. Moi j'ai mon minigun de 50 kg dans les mains. Ouais, une minigun de 50 kg. Ouais. Bah c'est pas 50, mais c'est vu la lourd. Bon, pourtant la RPK est pas mal, hein, mais bon. Ouais. Donc ouais, c'est plus sympa là, on va... Enfin, je trouve que c'est mieux de faire du live, hein, que d'enregistrer le studio, c'est plus intéressant. Ouais, comme ça on est réglé, y a pas de live du coup. Comme méthode de filmation. Je ne retrouve plus le mot. De tournage de vidéo. Ouais. De filmation. J'aime filmationner. C'est intéressant. Et c'est très soyeuse. Ouais. Tu meurs toi, oui, je t'en ai mis 4 ou 5 à headshot. Depuis qu'on fait plus de Call of, on a élaboré de nouvelles expressions qui reviennent quotidiennes. C'est de la faute à Sir Frankish. Mais non, c'est moi, c'est le daron qui dit ça. Le daron basque. Sur Call of. Non, c'était pas sur Call of. Si, si, c'était sur Call of, on a croisé. De toute façon, où est-ce que tu veux que ça soit, des mecs pareils. On avait croisé un mec qu'on aurait dit c'était un Marseillais qui était en train de péter un câble dans le chat parce que soi-disant qu'on campait trop. Du coup, on commence à dire « Je suis Marseillais et tout !» Parce que le mec, il avait un accent prononcé du sud, et il nous fait « Oh bon non, je suis du Pays Basque et tout !» Pays Basque et tout. Alors, vous savez pas reconnaître les régions et tout. On était mort de rire. Après, on commençait à lui sortir les petits basques et tout. Et Torquay, fromage, le fromage basque. Le fromage basque. Après, mais comme il avait une grosse voix et tout, on faisait « Tu peux pas aller nourrir !» Autant nourrir tes gosses et tout, le daron basque. Avec les wood. Sérieux, il avait une voix de gros daron. Ouais, quand même. En mode monsieur le V12 qui a une femme et des gosses et qui. Je vais me faire cuter, moi. Aïe, assez. Oula, je commence à me faire rattraper. Faudra que je regarde, mais les vidéos, je pense, elles vont être lourdes. Ouais, bah. De toute façon, je referai un rendu, donc. Bah, voilà. Faut surtout nous dire, parce que là, j'ai pas changé la qualité comme les vidéos, on les fait à la chaîne. Hein. Sur la qualité, et puis si ça vous intéresse, le BF4. Ah, je viens de tuer un type avec une clé mort, c'est dégueulasse, je sais. Ouais, bah, c'est cool. Bon, pour le nombre que je me suis... Pour le nombre que je m'en suis bouffé... Monsieur Connard arrive, je me suis fait dénicher... Ah, ils sont dans le bâtiment. Skittles for you, 28-12, il fait le machin. Bon, en même temps, dans notre équipe, t'en as un, il fait du 35-14, hein. Les shotguns silencieux, il m'a bas. Les guns silencieux à 100 mètres secondes... Ça crache. Je veux pas dire, mais ça avance pas, hein. C'est mémé le déambulateur, à ce niveau-là. De reprendre B. Aïe, je viens de me prendre un coup de Strayer Elite. Ça gratte. Bah disons que les messieurs qui ont un Strayer Elite avec une lunette x8, ils ont pas tout compris. Parce que le Strayer Elite, il est pas tellement équipé à longue portée. Bah là ça va parce qu'ils se spawnent pas tous dessus comme des cochons, mais... C'est vrai, on peut se spawn dessus. Ils ont... Mais moi je fais pas parce que si... parce que c'est les maps sont trop petites. Après c'est... Après c'est du spawn les uns sur les autres et c'est paquet de BN en mode paquet. Hein. Aïe, S23, oui. Ça aussi, je voudrais dénoncer aux développeurs, hein. Ah, la qui maîtrise à 91. J'ai tué pack de combat. Parce que, il y a certaines armes qui sont carrément au-dessus des autres. Aïe. Par exemple, la MTAR. Hein, parce qu'on est d'accord, vous irez voir sur Simtik si vous connaissez pas. On mettra peut-être le... Parce que quand même, elle a des stats de fusil d'assaut, mais elle est donnée comme une carabine. Du coup, on peut vachement imaginer ce que ça donne. C'est quand même... Franchement, la MTAR, elle est agréable à utiliser. Je trouve qu'elle a un bon truc, mais... Elle a de bonnes caractéristiques, mais elle est sympa à utiliser, mais j'ai bugué. Et
franchement, de loin, elle fait quand même assez mal hein, pour une carabine. Les dégâts de flic dessous, c'est... ça se ressent. Ouf. Froid dans la maison. Ah, j'étais dans le dos de tout le monde, dommage. Ouais, ça va, on a pas fait des trous au vaisseau. Bah, j'ai joué soutien, du coup. J'ai pas beaucoup bougé, on va dire. Mais avec une carabine. Puis j'ai fait v'là les assistants. Ouais. Parce que je spottais, puis je tirais de loin. Merci, le boost d'XP. Bon, et nous, on est pressés, hein, que le DLC y sorte. Hein. Ah bah oui, là, il y a le prochain DLC qui a été annoncé pour mardi prochain. Le joie, coup, en plein bac blanc. Pas moi. Foiré. Moi, c'est après les vacances. Ce pute, tu vas avoir le seum pour les vacances, tu vas réviser. La daronne allait me faire chier quand même. Même s'il n'y avait pas les paquets. On va bon. Peut-être couper avec toutes les conneries qu'on a dit à la fin. Bon, voilà. Là, c'est la fin de cette deuxième partie du live, donc on va vous laisser. Vous nous direz ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'on devrait continuer, si ça vous plaît. Si vous ne pouvez pas gueuler sur les commentaires. Voilà. Allez, salut. Salut.